Call to worship. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Nous sommes venus en ce saint jour, en ce lieu, t'offrir un culte d'adoration en signe de reconnaissance, de gratitude. Daigne, du haut de ton ciel de gloire et de félicité, accepter nos chants, nos prières. Au nom de Jésus, nous réclamons ces grâces. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Moi, béni non bon Dieu pour tout bien fait, pour compassion, pour tout ça fait pour nous. Dès le commencement, l'El t'a créé les cieux, la terre, la mer et tout ça qui contenu, il était pensé à mettre un jour à part pour nous, qui c'est le jour du sabbat. Qui ça ou même avec moi dit pour jouer ça? Il était que tu connais que nous avons vivre nos moments qui étaient comme un moment hier. Côté moi même avec ou tu as pensé que nous étions capables de courir dans 5 routes à la fois. Côté nous avons abusé quoi nous. Côté nous avons pratiqué la tempérance. Côté maladie, tu avons envahi nous. Côté nous avons privé nos moments. Côté où tu as besoin pour y mettre un mois à part pour y mettre pour faire une campagne sous cancer du sein. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, moi invitez nous dans moment ça pour nous dépouiller nous de toute calamité nous. Moi invitez nous pour nous garder à sœurs, à frères qui sous côté nous. Pour nous dire frères et sœurs nous. Bonjour, bon sabbat, on fait route là ensemble. On serre main l'un l'autre pour nous dire on a fait route là. Ensemble. Et dans le moment ça, je vais demander si pas une pièce visiteur qui est avec nous. Si un visiteur, je vais inviter à mettre debout pour l'église à honorer présence, s'il vous plaît. Visiteur qui est avec nous, mettez camper s'il vous plaît. Mettez debout. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. Je vais demander nous, bien fort, récitez nous pour l'église à reconnaître nous. Ma sœur, comment relais, s'il vous plaît? Oui. Sœur Rosie, nous comptons well. Nous honorons présence. Ma sœur, comment relais? Sœur Marie-Flore, nous comptons well.
nous honorer présence. Mon frère, comment relais? Baptiste, frère Baptiste, nous comptons well. N'attendons. Ma sœur, comment relais? Joanne, nous comptons well. Ma sœur, qui est-ce qui est à côté, sœur Joanne? Comment relais, ma sœur? Amen. Comment nous avons besoin well? Wedling, nous comptons well, sœur. Mami, comment relais? Marthe, sœur Marthe, nous comptons well. Ma sœur? Sœur Gina, Ina, sœur Ina, nous comptons well. Mon frère, comment relais? Mon frère Marc. L'église ça nous dit pour ça, pour frère Marc. Nous avons un paquet de visiteurs. Nous avons campé, nous avons voyé, même nous avons dit nous comptons well. Et nous avons nous samedi, l'autre samedi, si Dieu voulant. Amen, nous comptons well. Bienvenue. Et c'est le moment de, pour nous capables saluer les uns les autres. Et tandis que pour estimer nous pouvons chanter, nous demandé pour nous tous, nous capables de shake hands avec les gens qui sont sous côté nous ou bien derrière nous. On nous commencer, Konya. Merci. Ensemble, nous allons chanter pour commencer le culte dans le numéro 278 dans Hymne et Louange. 278. Merci. Je t'apporte de ma soeur.
Happy Sabbath, Church. Today's scripture reading will be found in Deuteronomy 6, verses 6 to 9. And it reads, "And these words which I command thee, this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by thy way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thy hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates." Amen. Du peuple de Dieu dans la semaine passée là. Groupe Hamas attaqué à Jérusalem et a attaqué Israël pendant le jour du sabbat. Alors que Israël pas sous garde li pendant le jour du sabbat. Et a frappé et a surprendre l'armée israélienne. Et bien nous-mêmes, ça fait nous penser à l'église là. Satan pas qu'à venir surprendre nous la matière. Nous allons prier. Et l'homme ça qui est passé en Israël là, son seul bail qui montait dans tête moi, Jésus dit, priez pour que votre fuite n'arrive ni en hiver, ni un jour de sabbat. Donc nous pas courir pour l'ennemi. Nous mettons à genoux, nous mettons dehors. Éternel, notre Dieu, notre Père des cieux, Jésus eut à dire dans Matthieu 28, 18 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » La mission de l'Église, c'est d'aller prêcher au monde la bonne nouvelle du salut, de nous unifier par le Saint-Esprit et pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Au matin, nous venons devant nous adorer en esprit en vérité. Nous venons devant nous dire « Béni soit le nom de l'Éternel ». Nous devons nous dire, béni soit la Trinité qui participait dans cette mission de nous racheter et de nous changer. Ô Seigneur, ce midi, ton peuple est devant toi avec nos défauts, nos péchés, nos faiblesses de toutes sortes. Nous sommes venus devant toi pour demander pardon, Seigneur. Nos paroles, nos propos, nos actions, notre humaine nature, le vieil homme qui prend place en nous. Et maintenant, nous disons par le sang de Christ, déshabillez-nous, papa, et revêtez-nous de la robe de Christ. La robe du salut, la robe de l'unité, la robe de la justice, la robe de l'unification, parce que nous avons besoin de toi ce midi.
ton peuple est devant toi, Seigneur. Et nous dis là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu de nous. N'es-tu pas le médecin d'Israël? N'es-tu pas le médecin de Brocton? N'es-tu pas celui qui peut réunir les tissus déchirés? C'est ça que fait à midi, nous présenter peuple bon Dieu à devant. Oh papa, nous finissons passer trois semaines de campagne évangélique. Oui, ennemi a attaqué nous. Ennemi a fait carré attaquer nous. Ennemi a continué à attaquer nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, car la victoire appartient au Jésus de Nazareth. Ton peuple est devant toi, Seigneur. Bénis-nous. Change-nous. Transforme-nous. Et permette que, Seigneur, toute déchirure qui existait, à midi, à papa, ou qu'à penser nos blessures. Fais-nous venir ensemble au pied de la croix. Oh, à midi, à Seigneur, Bokton Temple a monté dans la chambre haute. Nous besoin réunis, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette eau, nous avons besoin de la pluie de l'arrière-saison. Nous avons besoin, Seigneur, de cette puissance. L'œil unit nous, nous parler. 3000 âmes qu'a converti. Nous soupirons après la pluie de l'arrière-saison. Ô Seigneur, alors que l'ennemi a détourné attention, nous, à midi, nous voulons prendre Jésus pour notre salut. Les néophytes sont devant toi. Les nouveaux baptisés sont devant toi. Tes enfants sont là. Oh, pendant trois semaines, non, Seigneur, si nous pas changer, nous te témoins, nous dit après trois semaines, ça, bon Dieu, pas responsable, nous. Oh, Seigneur, maintenant, nous voici devant toi. Recueille-nous, sauve-nous, transforme-nous, pardonne-nous. Et après cette cérémonie de Sainte-Cène, unis-nous en Christ, quand nous avons mangé ton corps symboliquement et nous avons bu le sang symboliquement. Notre Père soit présent au milieu de nous. Nous disons à l'ennemi de laisser cette église en repos. Nous disons à l'ennemi de sortir de nos rangs parce que pas de place pour l'ennemi au milieu de nous. Nous avons besoin de nous unifier. Nous avons besoin du salut. Nous avons besoin que ces commandements que tu nous as donnés nous écrions sous front, nous, sous protocole, nous, dans main, nous, tout côté nous praler. À midi, à une nouvelle fois, parle-nous par le truchement du docteur Noël. Rassemble nos cœurs au pied de la croix. Fais que nous qu'à prier, nous des hommes et des femmes de prière. Et t'en prie, s'il te plaît, papa, ne permets pas que fuite qui prend le fait là, pas quitter le rivet ni en hiver, ni un jour de sabbat. Ou mandez-nous pour prier pour ça. Dans l'unisson, nous venons prier à midi à nos jours. Pas quitter tant de détresse là, rivet non, ni en hiver, ni un jour de sabbat. Tendre Père, que ta volonté soit faite, que tu bénisses Haïti, que tu bénisses ceux qui souffrent, les enfants du monde entier, les jeunes du monde entier, l'Église universelle et la mission qui nous est confiée de prêcher ton évangile. À midi, parlez à nos cœurs, pense nos blessures, guéris-nous de nos maladies et de nos turpitudes et mets l'amour dans le cœur de chacun de nous. Que ta paix, ta grâce soit sur nous et que ce moment de sabbat soit un moment inoubliable, car une nouvelle fois, nous avions remporté la victoire au nom de Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia, Dieu fidèle.
service de fidélité. Donner la dîme et les offrandes. Comment notre disposition à donner la dîme et les offrandes montre-t-elle notre reconnaissance envers notre Père céleste? Nous avons reçu des commandements pour nous aider à nous préparer en tout point à vivre en présence de notre Père céleste. Il nous a donné un moyen de le remercier de nos bénédictions en donnant de bon cœur la dîme et les offrandes. Tandis que les diacres vont passer dans les rangs, on va continuer à lire quelques lignes. Mais on est à nous mettre commencé dans ma septième. Lorsque nous donnons la dîme, nous montrons notre fidélité au Seigneur. Nous enseignons également à nos enfants la valeur de cette loi. Ils voudront suivre notre exemple et donner la dîme de tout l'argent qu'ils recevront. En quoi la dîme est-elle plus un principe de foi qu'une question de finance? Que peuvent faire les parents pour enseigner à leurs enfants à donner la dîme et à comprendre l'importance? Pourquoi notre état d'esprit est-il important quand nous donnons la dîme? Il est important de donner de bon cœur. Quand quelqu'un donne la dîme sans plaisir, il est privé d'une partie de la bénédiction. Quand quelqu'un donne la dîme sans plaisir, il est privé d'une partie de la bénédiction. Il doit apprendre à donner de plein gré, de bon cœur et avec joie. Alors, son don sera béni. L'apôtre Paul a enseigné que la manière de donner est aussi importante que ce que l'on donne. Il a dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Voilà, un des musiciens aussi, peut-être qu'à jouer en petit morceau pour nous, juste en attendant que les diacres finissent avec le ramassage des offrandes.
maintenant c'est l'heure des enfants. We are asking all the children to come forward. It's your time now. We'll sing together, let the little children come. Good morning, boys and girls. Good morning. See, I know Maisa knows. I'm going to say, I don't hear you guys real loud. Good morning, boys and girls. Good morning. How is your Sabbath going so far? Good. Are you enjoying the Sabbath? Yes. Yes? I'm happy to hear that. So today I have a story for you guys, but I'm going to need a little bit of your help, okay? I'm going to talk to you today about something. It has about 9 parts to it, okay? It's something that has about 9 parts to it, and then you find it in the Bible verse where around Galatians 5 has 9 parts to it. You find it in Galatians 5, and you can, I'll give you a hint. Verse 23 will tell you about it. Verse 25 will tell you about it. It's going to be in Galatians 22 to 23 will tell you about Galatians 5. You know what that is? Tell me. The fruits of the Spirit. Ah, he said the fruit of the Spirit. I have a fruit, right? What kind of fruit is this? Tangerine. Which is maybe a cousin of an orange, okay? But it's a tangerine. So, I have a whole tangerine, right? And then, when you say the fruit of the Spirit, is it fruits with an S or just fruit of the Spirit? Fruits. Okay, so I told you 9, right? There's 9. So is it 9 fruits or is it only 1 fruit? And 9 parts. Thank you. So you said there's 1 fruit and 9 parts. So only 1 fruit and 9 parts. Oh, Fred, you know, you going to help me out? Yeah, I'll help you out. I like that shirt you're wearing. Where'd you get that shirt? Hold on, let me have one ginger. I like his shirt. Do you guys see his shirt? I like the shirt. Don't eat it, Fred. Oh. Do you guys see his shirt? That shirt I have. Turn around so we can see the shirt. What is the shirt? It says fruit of the Spirit. I'm the only one in the church who has this shirt. Is Fred Edwin, say Fred Edwin, sermon exaggeration, Misa. Is Fred Edwin the only one in the church who has this shirt? I am the only one. Who else have this shirt? Oh, I see some kids have the shirt. Come kids. Ah, we have kids who have this shirt. Wow, don't they look nice? And I see an adult over there, 2 adults. Come, vino. The fruit of the Spirit.
But we have, thank you, Sir Raymond, thank you. Wow. And now we have the kids who have the fruit of the Spirit shirt. Can I, you got, do they look nice? They look nice in their shirt? Wow. Can I ask you, what is your favorite? Which part of the fruit do you like? Which one? So which side do you like? Which one? Gentleness. Why do you like gentleness? Mike. I like when people are being gentle to me, and I like being gentle to others too. Oh, very nice. How about you, Emery? Which slice do you have? Peace. Okay, go ahead. I like peace because peace is peaceful. Oh, peace is peaceful. Ooh, I like that. Okay, how about, now we have Miss Ava who just got baptized, but we could, what do you say? Amen, yes. Ava, what is your slice? I like kindness. Kindness, why do you like kindness? Because being kind to others makes people kind to you. Oh, being kind to others, wow. Another one who got baptized a few weeks ago, what do we say? Amen, Miss Serena. Serena, what is your slice? I like self-control. Self-control. Oh, do you have self-control, Serena? Yes. Yes, all right. Why do you like self-control? I like self-control because sometimes you have to be calm and have self-control over yourself. Oh, did you guys hear that? Wow, self-control. How about you? What is your slice? Patience. Ooh, do you have patience? Yes. Yes, you have patience? Yeah. You like being patient? Yeah. You like waiting for things? Yeah. Yeah? Oh, he said yes, patience. And Anil, what is your slice? Joy. Joy. Do you like, what about joy do you like? Because joy make me happy. Oh, joy makes her happy. And then so far we had gentleness, we had peace, we had patience, love, joy, self-control, kindness. Oh, but there's one called generosity. Anybody likes to be generous and give to others? You like that? Very good. There's one more, faithfulness. How about that one? You like that one? Faithfulness. And then there's one in the center. What is this one? Love. Oh, do we love each other? Yes. Yes. Est-ce que nous aimons une lot? Yes. Do you love yourself? Yes. Do you love Jesus? Yes. So you see, with the fruit of the Spirit, can you only have one and be happy with it? No. No. You need to have all nine. Ferdinand, did you eat the, he ate all of it, guys. This is not a good example of fruit of the Spirit. He ate all of it. This is not a good example of it. Food. Self-control. What did he say? Okay. Self-control. Ferdinand has no self-control. We've got to tell Sir Giotto about that he has no self-control. Okay. Which Sir Giotto? Oh. Which one? So, we see that God wants us to have every single slice of this fruit of the Spirit. Now, why do we have these t-shirts? Why do we have these t-shirts? For fundraising. Amen. What's the fundraising about? So we can fix the Sabbath school temple because we don't like being downstairs in the basement but in the church. We want to have our own class and our own temple. Amen. In our own building. Yes. So pour qui parle avec anglais pour nous make sure que nous supporter Timounio. Nous les deux mademoiselles le dit que son fundraising et au besoin que nous supporter parce que apparemment bas dans l'église tout ensemble mais au besoin dans building l'autre bois à côté au chaque cas une classe par yo j'ai été qu'on fait longtemps. So guys, are you ready for the church to help you fix the building? Amen. You guys want to have a new building over there? Yes. So you can have your own class and everything. And I tell you guys one more thing, your parents can buy the shirt. You not, I mean, not buy.
What you're going to do is you're going to ask for a shirt, then you'll give us a donation, okay? And then also, Freddie, what are those about? By the time the kids go back to their parents, they're going to take one envelope to mommy and daddy. We're very happy about that. And then mommy and daddy can put money in these envelopes. Guys, now, I know you guys are very good at this. If we're going to give each of you an envelope, and this week, your job is going to be to remind mommy and daddy to put some money in the envelope, okay? And bring it back next week, okay? Can you guys do that for us? Yeah? Okay? After the prayer. After the prayer, we're going to give you the envelope after the prayer. So give it to mommy and give it to daddy, give it to grandma, auntie, whoever you want to give it to. So you can bring the envelope back so we can get enough money to make sure we fix our building. But most importantly, than fixing that building is make sure that you, in your heart, you have the fruit of the Spirit. And you can see the building over there. They're showing the pictures of the building, the work that's being done. Okay? We have all the work that's being done. So make sure you see all the pictures of what's being done to fix it nicely for you guys. But most importantly, I would like you guys to know these slices, make sure you have them in your heart as a whole. Because when you have all the fruit of the Spirit in you, you are a better person. You are a great Christian. And you're showing all these wonderful things to people and to yourself. Then you will make it to eternity, to be in heaven with Jesus. Do we all want to go to heaven with Jesus? Yeah. Yes. So make sure you get your t-shirts. Okay? Amen. You can do. Amen. And then give the envelope to mommy and daddy. And remember to always practice the 9 slices of the fruit of the Spirit, okay? So now I'm going to ask one of you to pray for us. Would you mind to pray, my gentlemen? The 2 of you, okay? So Emery will start, and then, guys, we'll give you the envelope to give out to your mommy and daddy. Thank you, Jesus, for the day. Thank you for dying on the cross for us. And thank you that you let us be here to worship you in Jesus' name. Amen. Amen. So don't move yet. Fredwin, can you give out the, let me have some and you get some? All right, before I go on this side, so you guys can stay here. All right, can we sing the song while you guys are going to head back? When you get your envelope, you can go back to mommy and daddy. And remember to make sure you practice the fruit of the Spirit, because that is very, very, very important, okay? Yeah, give that to mommy and daddy and grandma and uncle and tati, everybody that you can give it to, give it to them so that way you have your envelope to help out with the fruit of the Spirit. Everybody has one? You didn't get one yet? Everybody has one? There's some more. He needs some more envelope right here. And if adults want some, si gen adult ki bezwen envelope, gen sou tab devan UCA pa la, gen sou tab sa aussi, sou nou kapab envelope yo. Et nou kapab wè frè Edwin, a sœur Flossie, pou nou kapab jwen chemise nou. Guys, have a beautiful Sabbath. May God bless you. And next week, I'll be waiting for you to come back with your envelopes to make your donation to the renovation of the church. All right? Have a beautiful Sabbath. May God bless you guys. Give the envelopes to mommy and daddy, okay? Chers et sœurs, est-ce que nous comptons dans la maison bon Dieu matin? Tout le monde qui est content nous dit béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Amen. C'est pas par hasard que nous là matin, mais c'est parce que bon Dieu voulait que nous là. Amen. Amen. Nous avons un peu de monde, nous parlons longtemps, mais là, nous connaissons qui nous est. Nous disons welcome, welcome, welcome. Ok, quand nous allons passer
non partie très importante dans le culte. La première partie, nous parlons de louange avec Prestim. Et après que Prestim nous fin louer ensemble avec Prestim, avec tout musicien, nous parlons de temps de au monde. Voyez au monde que tout le monde l'église remet, tout le monde l'église adapté avec lui, parce que le monde ça, son monde côté lié, pas de crier. C'est joie, c'est sourire, et nous relais le monde ça, docteur Noël, c'est lui-même qui parle prêcher pour nous matin. Nous mettons dans la tête nous que nous pas trop long. C'est moi, pas toi, donc je dis, hein, parce que c'est Docteur Noël qui a prêché. Ok. Que bon Dieu bénisse nous et que nous demandons pour nous que nous sommes capables de camper, montrer, bon Dieu, que nous reconnaissons, chanter avec prestime. Merci. C'est ici la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de grâce et d'allégresse. So, pour tout ça, bon Dieu t'a fait pendant, pour nous pendant la semaine. Tant que Jean-Frère Dabasso dit, hein, nous gagnons un privilège pour nous capables là. So, nous parlons cramper pour nous capables louer, bon Dieu. Pour nous capables louer, bon Dieu, Israël là. Parce qu'il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu qui pourvoira nous parle camper pour nous louer, magnifier, bénir le nom du Seigneur. En nous lever pour nous camper, frères et sœurs. Ma bénie, oui, c'est vrai.
qui t'est passé pendant ce maintenant, yo pas gagné pour voir ensemble avant. Confiez ou dans Dieu, n'importe côté. Sous la mer.
dit tout le monde qui est dans l'église là, tout frère, tout seul, et tout le monde qui a écouté nous à travers les réseaux, un gros bonsoir. Je t'ai pensé dire bonjour, mais je garde moi que bon, nos jambes, nous avons bonsoir. Je suis content en pile de ce que je suis là matin. Je suis raté sabbat dernier. Quand je suis déjà fait plan pour me venir, non seulement participer à la fête sabbat avec l'église là, avec Frem, avec Sem, mais également pour me capable de communier ensemble avec nous. Là, c'était mardi après-midi, par contre, ça qui passé, je prends grippe. Même t'es pensé que pour d'ici de là étant pour samedi, t'as bombe, t'as pas venu l'église, mais ça pas te marcher comme ça. Et t'es obligé de rester la caille parce que ces jours-ci, d'un peu chita quand ton monde fait, là même gado. Donc, pas de blessure arrivé. Bien que moi me fais quelque petit, un tout petit quand même, mais au pas gros, donc au pas suspect quand même. Et juste avant de commencer à faire ce mon matin, je voulais noter pour l'église là, je voulais l'église à noter la présence de monde qui nous est cher. C'est la présence de Sœur Fridie Honoré, qui a pas adoré avec nous. Et nous disons grand, un gros bienvenue, pas dans l'église Brockton, mais dans l'église Lee. Si on dit ça, on dit Jean redondant. Mais on a toujours fait quand même. Nous voulons également faire remarquer, peut-être pas faire remarquer, ce n'est pas le mot. Nous voulons dire, peut-être que c'est une expérience que j'ai gagnée, que j'ai eue au cours de la semaine. L'homme connaît, pas l'homme connaît, parce que le pasteur a dit que je ne peux pas le prêcher ici un matin, je dis. Et puis, en cours de route, je me dis à Lourdes par ailleurs, pour les gens qui ne connaissent, c'est mon épouse. Je me dis à Lourdes, quel sujet ça que je suis capable de prêcher sur lui? Et je me dis quel sujet que lié. Et ça qui est monté dans la tête, moi, dans le ça, c'est que expérience que. Moi-même, avec Pasteur Bernadotte, t'es fait dans l'église là, elle t'a fait acheter l'église, elle t'a fait acheter campus là. Là, nous venons visiter ici, là, nous venons visiter sanctuaire là. Il y avait de très beaux vitraux, des belles display vitres. Nous connaissons l'église catholique qui mettait ça aurait les stained glass vitraux dans l'église. Ils mettaient belles bagages. Bien que ce n'est pas toutes les fois que vous accordez avec ça que nous croyons, avec croyance nous. Mais on était belle en pile. Bon, alors après les démarches, après tout préliminaire, nous signons l'église. Et puis bon, on est venu visiter juste avant le premier sabbat. Telle n'a pas été notre déception. Là, nous entrons, toute belle vitraux, pas là. Mettre l'église, là, les propriétaires à ce moment-là, ils ont retiré au vannio. Et ils ont quitté seulement pour nous. On série de petits vitres tout minces, tout blanches. Alors on s'est demandé, qu'est-ce qu'on va faire? Pasteur Bernadotte et moi, on a demandé ça à le faire. J'étais le premier ancien de l'église à ce moment-là. Et puis bon, on a parlé okay, au comité de l'église, est-ce qu'on a mis des rideaux, est-ce qu'on a mis des shade, qu'est-ce que nous allons faire? Et Pasteur Bernadotte et moi, immédiatement nous nous sommes démenés, nous sortis, dans le côté pour nous jouer nos côtés, puis on fait vite, pour mettre des vitres pour nous. Nous marchions, nous arrivions même côté de Vanzarque qui était là déjà, mais nous pas de cacher parce que nous demandons pas qu'être l'argent pour nous. Et puis ensuite, ça n'allait pas non plus à nous convenir. Finalement, nous sommes allés dans un endroit bien loin de notre monde là, pas derrière, côté de Sadonion, Conference, Camp Winnipeg. Et c'est là que nous jouons notre shop. Et puis bon, le monsieur a été très bien, a été gentil. Et puis, il montrait nous le travail que le fait et puis nous dit que ça nous besoin. Bon, il montrait nous certains modèles et autres et puis nous avons choisi un modèle et puis après cela il m'a dit nous mais c'est qui ça m'a mis comme inscription dans la fenêtre.
Pasteur Bernadotte l'ouvrit Bible et il choisit fruit de l'esprit. Par contre, si nous j'aime garder dans la fenêtre, dans le trou là, nous prenons rien, tout fruit de l'esprit écrit là-dedans. Si nous allons faire ça, nous sommes capables de faire ça, même si nous n'avons pas faire le qu'on y a, mais nous avons gardé pour nous. Dans toute vitre, c'est ça que nous avons qui inscrit. Fruit de l'esprit. Et puis après ça, je me suis dit, est-ce que c'est par hasard ou bien est-ce que l'esprit de Dieu va pousser l'église vers un certain objectif? Qui ça qui t'a inspiré, Sœur Flo, si pour choisir fruit de l'esprit, pour le mettre dans le maillot que n'a pas fait fondraising? Si seulement l'église de Brockton était capable d'adopter ces fruits de l'esprit, ce fruit de l'esprit divisé en 9 morceaux, et fait de sa moto, quelle église n'aurions-nous pas? Qui est l'église, nous n'avons pas gagné. Côté nous, t'as pratiqué tout fouille ça. Juste avant de commencer, mais ça fait deux fois, me dit juste avant de commencer. Juste avant de commencer, nous voulons dire que. N'a pas le fond bail peut-être qui n'a pas fond bail qui peut-être exceptionnel aujourd'hui hein. Nous gagnons un sermon écrit en anglais disponible dans WhatsApp. C'est pour toutes jeunes et autres personnes qui sentent plus à l'aise ou avec anglais qu'avec français ou créole qu'on pas le parler. Nous avons permission aujourd'hui. Vous êtes capable de prendre le téléphone ou bien iPad et dans WhatsApp. Vous avez trouvé le sermon aujourd'hui écrit. Vous êtes capable de suivre avec nous parce que tout ça que nous avons dit là est écrit en anglais. Également, nous avons rien et en projection. Donc, nous sommes capables peut-être faire entrer en nous-mêmes. À les différentes parties du sermon de ce matin. Juste avant de commencer, ça fait trois fois, hein? Je voulais faire un bagage que je voulais suivre parce que j'étais vraiment on remet ça, j'étais ce sabbat matin et j'étais dit, frère Jimmy, que je vais faire ça. On va suivre frère James Saint-Jean dans un prologue, un prélude ou bien pas une introduction, certainement pas. Que le t'es fait avant que le t'es prêché en sermon ce sabbat matin? Il t'es fait ça nous relayer en anglais à disclaimer. On démentit, pourquoi on dit ça en français? À savoir que c'est moi qui campé devant nous qui a parlé. Mais c'est seulement un commissionnaire que m'y est. Tout ça que m'bral dit, il n'est pas sorti de moi directement. Mais j'ai été inspiré comme tu es capable de dire non. Si toutefois, nous disons des choses qui pas allé avant, qui pas fort bien, nous regrettons ça, mais à le plein, côté source là, côté inspiration en soutien. Pas lapider messager, mais servir avec message là. Nous sommes capables de commencer avec projection 1, si possible. Et ceux qui veulent, tout le monde qui veut aller dans WhatsApp, m'espérer que quelqu'un qui allé et qui déjà a pour serment, surtout pour nos jeunes. Et ensemble, nous allons commencer. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. Dans le grand plan de création, toute bagaille est prévue. Et mon Dieu fait commenter à lui-même son propre travail et lui dit que tout était bon. Mon Dieu créé l'homme et la femme. Ainsi, il formait premier couple. Il était gagné. Avec mission parmi d'autres pour être capable de croître, multiplier et remplir toute la terre. Genèse 1er, verset 28. Timoun, qui t'a pris sorti dans l'union, ça, à travers toutes les générations, et doit instruire des mystères de Dieu et de leur appartenance au divin. Dans Exode chapitre 19, verset 6, Moïse recevoit l'ordre pour rappeler peuple, origine, histoire et appartenance. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et plus tard, Pierre fera la même déclaration. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, verset 9. En tant que race élue, les valeurs du peuple devaient refléter le caractère de Dieu. Je vais reprendre une phrase ça. En tant que race élue, valeur peuple te doit refléter le caractère de Dieu. Israël pas doit parler tant cou l'autre peuple. Et là nous dit parler, nous pas parler de langue, mais n'a parler de langage, la façon de s'exprimer. Israël pas doué manger tant cou l'autre peuple. Israël pas doué divertir tant cou l'autre peuple. Israël pas doué habiller tant cou l'autre peuple. Valeur morale Israël axée sur la loi de Dieu t'est doué nettement différente des valeurs des autres peuples. Justice, équité, générosité, gratitude, bonté, altruisme, amour. C'est seul mot ça qui te doit user pour qualifier Israël. Bon Dieu prend en pile temps pour instruire le peuple à travers son serviteur Moïse. La Genèse, le premier livre du Pentateuque, raconte les origines du monde et le début de l'action de Dieu parmi les hommes. Il y en a donné essentiellement des récits qui concernaient les ancêtres du peuple d'Israël. Le livre de l'Exode fait le récit de la sortie d'Israël de son esclavage en Égypte et préparation pour
pour le peuple est capable d'hériter la terre promise. Le Lévitique parle des devoirs sacerdotaux en Israël et met l'accent sur la sainteté de Dieu. Et le code selon lequel son peuple pouvait vivre pour devenir saint. Le but du Lévitique, c'est d'enseigner les préceptes moraux et les rituels religieux de la loi. Le livre des Nombres décrit Israël comme le peuple sauvé et choisi par Dieu pour établir sa royauté sur la terre entière. Enfin, le Deutéronome est un récit de l'alliance de Dieu, de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le Deutéronome est un rappel sévère que Dieu est digne d'adoration et d'obéissance. Ses lois nous sont données pour notre protection et non en tant que punition. Toutes cinq livres Moïse, c'était pour instruire Israël pour sa préparation avant d'entrer dans la terre promise. Toutes ces instructions, consignées non seulement le décalogue, mais toutes ces instructions qui sont consignées dans les cinq livres que nous sommes fait mention, toutes ces livres, toutes instructions, étaient enseignées partout au milieu du peuple. Je t'ai dû apprendre par cœur. Je t'ai dit écrit tout partout. Voici les dernières recommandations de Moïse au peuple. En Deutéronome 6, versets 6 à 9. Mais ça lit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Transmission de valeur. C'est sujet noir. Notre Père, notre Dieu, c'est en ton nom que je prends la parole aujourd'hui. Sur moi qui ne pas représenté en rien, fais reposer grâce ou fais reposer esprit ou, afin que les paroles qui parlent sortir dans la bouche moi soient de nature à édifier ton peuple. Amen. Israël finalement arrivé dans le bout de voyage, le peuple là devant la rivière Jourdain. De l'autre côté, c'est la terre promise. Entrer l'autre bord, conquérir l'autre bord, ça n'a pas de doute là-dedans, il n'y a pas de question là-dedans, puisque c'est Dieu qui conduit le peuple. Mais, ces comportements peuple
dans nouveau environnement ça. Comment comportement peuple au milieu de ces peuples étrangers. Comment comportement peuple au milieu de ces nouvelles cultures. Voilà le danger qui menace l'existence du peuple en tant que race élue. Et c'est pourquoi, mon Dieu, la préscience li prescrit peuple là, yon guide sûr qui te doit mener le côté le supposé aller et qui te doit surtout préserver élection li en tant que peuple choisi. Le passage que nous avons lu en Deutéronome 6, versets 6 à 9, a pas servi de matière à notre sermon. D'abord, le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui. Et comme nous l'avons dit, ce n'est pas seulement le décalogue, mais c'est toutes les lois, toutes les ordonnances prescrites par Dieu et que nous trouvons dans le Pentateuch, les saints livres de Moïse. Je voulais faire nous remarquer le caractère individuel, passage là. L'emploi de la deuxième personne du singulier en français, tu, et non pas vous, implique chaque personne individuellement dans cette ordonnance, dans cet avis au peuple. Et toujours dans verset 6, et ces commandements seront dans ton cœur. L'expression « ces commandements seront dans ton cœur » signifie que les commandements ça doit faire partie intégrante de la personne. Faisons remarquer, on fait remarquer que le cœur, c'est un muscle que lié. Cœur, c'est une pompe qui n'a pas l'autre fonction que circuler sang dans le corps. Le cœur ne peut pas penser. Le cœur ne peut pas aimer. Le cœur ne peut pas avoir des sentiments. C'est seulement dans la poésie que on dit moi tout cœur. Non sans figurer. C'est non seulement la poésie qui vous fait cœur parler. L'expression « ces commandements seront dans ton cœur » veut dire que ces commandements étaient doués constamment dans l'esprit du peuple. Le cœur ne peut pas aimer, l'esprit peut aimer. Ces commandements devaient être dans l'esprit du peuple et que le peuple était supposé comprendre qui côté le sorti, valeur et profondeur de ces commandements et la nécessité de les mettre en pratique dans tout moment existentiel. Au verset 7, nous lisons, tu les inculqueras à tes enfants. Verbe inculquer veut dire guider, enseigner, professer, éduquer, persuader, alphabétiser, initier, propager, développer, faire entrer dans la tête, faire entrer dans le crâne. Fourré dans la tête. Le
Mes chers amis, chers frères et sœurs, pour nous, ce travail que nous ne faisons pas pour les commandements de l'Éternel, travail ça que nous pas fait en ce qui s'agit des commandements de l'Éternel, le gouvernement, la société, l'environnement, fait selon programme, selon objectif et au fait avec beaucoup d'efficacité. Nous allons poser une question que peut-être nous pas demander pour nous répondre qu'on y a et que nous pas une réponse pour nous tous pour nous qu'on y a tout pour lui. Mais nous posons la question, vous êtes-vous jamais demandé, est-ce que nous jamais posé tête nos questions ça, qui ça tient nous à ne pas prendre l'école? Tandis que programme formel, bien là dans le cours, leçon et activité d'apprentissage que élèves ont participé là dedans, ainsi que connaissances et compétences que professeurs, éducateurs enseignaient intentionnellement aux élèves, yon ba yon rele the hidden curriculum, le programme caché. Il comprend les messages académiques, messages sociaux et culturels, des messages non dits, messages qui pas messages qui implicite qui pas exprimé, qui cependant sont communiqués aux élèves pendant qu'ils sont à l'école. Responsabilité de tout gouvernement, c'est assurer continuité de l'État. Former des citoyens pour le pays. Et pour être capable de faire ça, ils mettaient en place des institutions concernant tous les aspects de la vie du peuple et s'adressant à toute couche sociale dans le pays. Institution ça y est. Chita campé jam sous philosophie, croyance, valeurs sociales et héritage historique et politique pays. Le fondement de notre croyance est totalement rejeté par le système éducatif en place. Et ces commandements que je te donne, tu les inculqueras à tes enfants. Je suis certain que nous connaissons que le livre Adventiste aurait les 28 croyances fondamentales. Israël devait apprendre par cœur toute prescription de l'Éternel, toute loi, l'Éternel te baille. Nous avons seulement 28 croyances fondamentales. Nous connaissons. Nous avons un livre là. Toujours verset 7, nous lisons, « Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » On va parler de l'or la caillou, l'or en voyage, l'or coucher, l'or après le coucher, l'or lever, l'or pas lever. En d'autres termes, la parole de Dieu t'est douée sous bouche, dans bouche peuple, à tout instant, dans tout partout et dans toute occasion. Attachement peuple au commandement de l'Éternel, c'était la garantie de sa protection.
On a fait remarquer que l'attachement qu'on a parlé de Lila, ce n'est pas un apparat. Tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et l'on dit ça, l'on nous dit ça, n'a parlé de sincérité à toute épreuve. Verset 8. Tu les liras, Marie, comme un signe sur ta main. Et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. En tout cas, il ne s'agit pas de faire semblant. De jouer un rôle. Sans conviction. Mais il s'agit d'une dédicace absolue qui doit faire preuve tout partout, dans toute occasion, à tout moment. Il ne s'agit pas de faire le caméléon. Caméléon, si je me songeais bien en créole, il y aurait l'engamant, et qui prend couleur. N'importe milieu côté le trouver. En d'autres termes, ou pas même qu'à reconnaître lui. On doit faire attention à cette forme de religion qui manifestait seulement au dehors. Comme dit la parole de Dieu, ce peuple m'honore des lèvres. Son cœur est loin de moi. Rappelons-nous tout le temps que le monde nous guette. Que le monde a épié nous. Pour y voir si nous sommes vraiment ça que nous dit que nous y sommes. Si comportement nous rapportait, semblait avec profession foi. Il dit que la religion et la superstition sont tout près l'un de l'autre. Religion et superstition, c'est cousin germain. Que ligne qui séparait superstition et religion sont les très minces. Et qu'on est capable de chavirer de l'un à l'autre n'importe l'heure. Verset 9. Ou va écrire dans la chambre de porte la caillou. Ou va écrire dans la porte ville, la ville où yo. En d'autres termes, les peuples avoisinants, t'es doué ouais dans Israël, y ont reflet de grandeur, de sainteté, de majesté, mon Dieu. Israël. T'es doué différent, sans être prétentieux. Et nous voulons reprendre sur ça. Israël devait être différent, sans être prétentieux. Et ça arrive tellement souvent chez nous. Nous presque frapper l'estomac nous pour nous dire moi-même, c'est adventiste du septième jour. En d'autres termes, que pas même Jean avait ou même.
bénéficiaire d'une élection. Peuple a te doué laisser ouais que bon Dieu l'a servi, hein, li vraiment tout partout dans vie, vie privée et vie publique. Les respecter, ça fait Gabart et dit. À savoir, puisque c'est moi qui a prêché sa pape longue, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, tellement de conseils que nous sommes capables de bailler. Et j'en mouais nous chita là. J'aimerais nous suivre là. C'est une invitation pour n'importe qui qui a un micro pour le parler juste ça fini. Même plus quoi? Que durée d'attention n'importe qui a une limite. Et que pendant que nous là, nous suivons très bien, en silence, et n'a pas absorbé, c'est bien facile tout, que nous avons perdu. Vous voulez de préférence renvoyer nous. Avec les paroles que nous t'ai bâillé, que nous t'ai dit matin, que l'Esprit t'ai dicté nous, que nous t'ai dit. Que nous sommes capables de chance à ruminer, repasser et appliquer. Nous voulons finir ce moment avec cette partie de l'introduction. Race élue. Valeur nous doit refléter le caractère de Dieu. Nous ne devons pas parler tant qu'on tout le monde. Et nous ne devons pas parler de langue, nous devons parler d'expression, de langage. Nous ne devons pas divertir nous tant qu'on tout le monde. Nous ne devons pas habiller tant qu'on tout le monde. Nous sommes différents. Sans être prétentieux. Valeur morale, nous, qui chita sous la loi de Dieu, doit être drastiquement différent de valeur l'autre peuple. Justice, équité, générosité, gratitude, bonté, altruisme, amour. C'est mots ça que vous supposez utiliser pour qualifier nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à faire connaître Dieu, faire connaître son amour. Nous sommes appelés à porter tout le monde qui entoure nous et tout le monde que nous rencontrons. Nous sommes appelés à les porter à croire en Dieu et à le suivre. Que Dieu vous soit en aide. Nous voulons prendre une minute pour nous dire. Juste avant que
Nous faisons le baptême, non? Nous allons camper, nous allons chanter le dernier chant, qui est numéro 333. Et après ça, nous allons passer dans le baptême. Numéro 333, Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Mettons-nous debout. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, dès que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs. Pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Recevez la bénédiction. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous remercions de ce que tu es avec nous. Nous t'es senti présent. Et alors, ce que nous avons tous pour aller à la caille, nous demandons à bénir nous. On va couvrir nous en basel. Et aidez-nous pour que Dieu nous capable toujours sous à toute heure, à tout moment. Et préparez-nous, Seigneur, pour ton retour en gloire. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Nous demandons pour nous capables, Chita, si nous voulons aller, si il y a un peu de monde qui veut aller, nous capables de sortir, mais nous pouvons passer dans le baptême de Koulia. Si quelqu'un qui n'a pas arrêté, il va mettre aller. Mais la main de nous pour nous faire en silence. En silence, silence. Merci. Passer le moment baptême, nous demandons une petite pause pour nous capables de commencer à service là.
La première monde que nous avons commencé, c'est Sœur Stelia Dumeus. Amen. Amen. C'est famille Jocelyne Tinob et famille surtout Dumeus qui a baptisé pour la gloire de Dieu. Amen. Et her favorite scripture is Psalm 103. Je ne vais pas appeler tout psaume là, mais je vais le commencement seulement en anglais pour her. It says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Et Chantel Remet, c'est numéro 81, à toi la gloire. Avec nous, Sœur Stelia Dumeus. À toi la gloire, ô ressuscité. Selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À toi la gloire. Avec nous, Sœur Sultane Maxius. Amen, amen. L'hier soir, j'ai confirmé que Sœur ça a baptisé. C'est maman Miracia Charles. Famille Junior Charles, grand-mère Steffi et Louisa Charles qui a baptisé là pour la gloire de Dieu. Et l'aime demandé qui verset préféré, lui dit que salement pile, c'est Matthieu 6, verset 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux, c'est ça que le remet. Et Chanli s'est dit tout à Jésus. Matin, mamie nous dit tout à Jésus pour. Et nous content que mamie a entré dans le baptême matin pour la gloire de Dieu. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas.
Ma très chère sœur, Sultane Maxius, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne veux pas faire pardon, dis tout à Jésus. Que nous gagnons pour mat après-midi, hein? C'est ce Marie Lozère Pauline. Ce ça te se baptisé depuis le premier baptême là, mais maladie, il n'est pas capable. Mais jodi, gloire soit à Dieu, il est là pour baptiser pour la gloire de Dieu. Celui que nous connaissons, ce sœur Luna Victoire, que semaine passée, deux semaines de cela, petite était baptisée, Taïcha Jean. Et je dis à ceux là baptisés pour la gloire de Dieu. Et l'on demande à Sœur Marie Pauline qui verset préféré. Psaume 91. Amen. Et chant préféré 240. Viens mon cœur. Avec nous, Sœur Marie Lozère Pauline. Amen. Amen. Viens mon âme. Très chère sœur Marie Lozère Paulinis, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens mon âme, te réclame.
frère avec Semio dans l'église là, dans le temple adventiste de Brockton. On capable dire avec Jésus que nous content. Ça qu'a passé dans l'église ça. Nous dit mon Dieu merci parce que Jean ça t'a dit pour l'église primitive là. Eh bien, c'est chaque jour, chaque sabbat que bon Dieu a ajouté à son église ceux-là qui sont sauvés. Nous dit bon Dieu merci pour ça et n'a demandé ou même frère sœur moi qui ont mon travail avec lui pour qu'on continue de travailler avec lui de sorte que ensemble nous capables continuer faire ça bon Dieu mandé à aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme nous t'a parlé de ça matin déjà dans l'église là, n'a pas de l'église s'il vous plaît, fait plein pour qu'on capable là avec nous lorsque n'a capable fait activité d'enseignement qu'on capable là de sorte que nous tout ensemble nous capable apprendre et nous capable préparer nous pour que lorsque Jésus retourne nous capable prêt pour rencontrer lui. N'a dit merci pour patience et alors que nous sommes là m'a demandé avec même commission yo rencontrer avec nous pour quelques brèves minutes pour nous essayer rapidement finaliser dossier nomination et n'apprenez l'église là, s'il vous plaît. Si cela ne vous dérange pas, donnez-nous aussi quelques minutes pour que nous capables venir pour le dernier rapport là et terminer avec phase ça dans matinée ça. Merci en pile, que bon Dieu bénisse nous, que grâce lui et paix lui, que Saint-Esprit continue remplir l'église ça. Merci.